paniquer, seulement compter les morts. Les statistiques ont été faussées parce qu'ils ont brûlé les corps. J'suis plus certain de savoir qui croire, regarde à mon téléphone. Paraît que le monde y est en déclin, qu'il faut barricader les bords. D'un côté, c'est les gens qui prônent de devoir respecter les normes. De l'autre, c'est les sceptiques qui ont refusé d'exécuter les ordres. J'ai jamais écouté les hommes, ils ont toujours dépassé les bornes. Là, ça parle de la loi martiale puis déployer les forces. À gauche, ils disent que ça va sauver le système écologique. À droite, les gens prétendent que c'est l'œuvre d'une arme qui est bactériologique. Les conspirationnistes dénoncent l'approche psychologique d'un ordre mondial qui veut créer une crise grave économique. Paraît que l'événement était prédit par Nostradamus, que le virus attaquerait tout homme et femme et surtout âge mature. Que le vaccin serait muni d'un repérage à puce, qu'en 2020 l'humain sera en chute libre mais sans son parachute. Quand 2020 l'humain sera en chute libre mais sans son parachute. Parce qu'une question sans réponse peut dupliquer les doutes. Comment nous en vouloir d'essayer de vérifier les sources? Si on respire la peur, il faut être sur des fins. Trop de questions mais sans réponse. Bienvenue dans l'ère de 2020. Parce qu'une question sans réponse peut dupliquer les doutes. Comment nous en vouloir d'essayer de vérifier les sources? Une pensée pour toutes les âmes qui ont dû s'éteindre. Trop de questions mais sans réponse. Bienvenue dans l'ère de 2020. J'dis pas que je possède la solution ou que je relate les faits. Mais logiquement, s'il y a quatre versions, laquelle des quatre est vraie? Parce qu'on propage le virus, mais pas l'information. Est-ce que nos dirigeants vont négliger ce que vivent les autres nations sous forme d'action? Si nécessaire d'écrire la job que les soldats feront, est-ce l'éveil d'un gouvernement qui gère ou bien qui tord à fond? Pour l'instant, c'est nébuleux pour tous les citoyens. Les réseaux sociaux bombardent les gens de mille bottins. Le peuple est en panique, le discours est rempli de promesses. Justin, si tu faisais ton speech devant le miroir, tu y croirais? Malheureusement, ça changera pas, l'humain est indomptable. Même quand on est en tort, on se tourne de bord, on cherche un responsable, c'est dénonçable. Maintenant l'humanité va devoir mettre son masque. Silencieusement, y'avait déjà enclenché la troisième guerre mondiale. Fait que vous êtes bienvenus dans l'ère de la contagion virale. Même avec un masque, l'humain nous dévoile son visage. Son visage. Même avec un masque, l'humain nous dévoile son visage. Parce qu'une question sans réponse peut dupliquer les doutes. Comment nous en vouloir d'essayer de vérifier les sources? Si on respire la peur, il faut être sur des fins. Trop de questions mais sans réponse. Bienvenue dans l'ère de 2020. Parce qu'une question sans réponse peut dupliquer les doutes. Comment nous en vouloir d'essayer de vérifier les sources? Une pensée pour toutes les âmes qui ont dû s'éteindre. Trop de questions mais sans réponse. Bienvenue dans l'ère de 2020.